Mais sur une première saison, tout est toujours possible. On est dans la dynamique de la montée. Groupe peut changer d'une année sur l'autre. La confiance s'est installée. On est en mission à chaque match de championnat. On découvre, mais quelque part, il y a une énergie qui vient du système, quoi, le fait de se retrouver ici en proie. D'ailleurs, on peut garder en mémoire ce premier zénith, parce que c'est la plus belle victoire qu'on a obtenue, celle contre Le Mans, le premier zénith, un panier à la dernière seconde de Ben, qui finit dans les tribunes, enfin bon, une communion totale sur ce premier zénith. C'était une dimension qu'on n'avait pas. Au moment où Christophe Guérin avait pris la décision de faire un match au zénith, enfin faire des matchs au zénith, je l'avais pris un peu comme pour un fou. Enfin, je me suis dit, bon, on ne va pas y arriver, c'est un truc énorme. C'était difficilement imaginable, en fait, de faire ce genre d'organisation de spectacle sportif au Zénith. Et c'est là où on s'est dit, là, on était encore en train de passer un grand pas, enfin, de faire un virage important. Et puis c'est des super soirées. Enfin, dans ces moments-là, c'est super. À Orléans, la saison s'annonce capitale. Elle doit consacrer le club orléanais parmi l'élite du basket français. Présentation de l'Entente Orléanaise 45, Théophile Mbaka et Jean-Marie Borès. Pour cette troisième saison consécutive en Pro A, l'Entente Orléanaise présente un visage inédit avec un effectif renouvelé à 70%. Résultat, 6 nouvelles recrues. Les Américains Dobbins, Banks et Green. Il y a aussi un jeune Français, très prometteur, Adrien Mormon, 19 ans. Et puis il y a Sierra. Avec lui, c'est l'équipe dont avait rêvé l'entraîneur. C'est lorsqu'il a fait la conférence de presse, je ne connaissais pas Laurent Sierra. Et au moment de la conférence de presse, j'ai vraiment pris conscience que on était à un tournant, en fait, de ce club. Et on savait, enfin, je percevais réellement, en fait, l'impact qu'il allait avoir, en fait, au niveau de ce club et de notre équipe. Et effectivement, ça s'est traduit immédiatement, parce que la saison suivante, 2008-2009, la première année de Laurent à Orléans, ça a été une saison extraordinaire. C'est uniquement notre troisième saison en Pro A. On a pour objectif le club d'accéder au play-off. Ça semble être l'objectif minimal. Mais de là à être top 2 de la saison et d'aller jouer les finales, ça c'était vraiment l'équipe un gros plus. Mais c'est vrai qu'après, à l'époque, on n'était pas européen, on jouait un match par semaine. Et puis on a des potentiels en devenir qui répondent présents. Et puis la chimie est excellente au sein du groupe. Tout se passe bien, qui plus est, il n'y a aucune blessure. Ce qui peut expliquer qu'au final, on va bien au-delà de ce qu'on pouvait imaginer au départ. Passer par là, regardez la pastille qui met, bim!
L'ambiance est trompeuse, les Orléanais se sont inclinés face à l'ASVEL, mais la fête a des allures de victoire. Je pense qu'on a appris ce soir, on a passé un cap, et l'année prochaine on a la Coupe d'Europe, et c'est quelque chose qui va nous permettre de construire dans le temps. On a un projet durable, et c'est quelque chose qui est important pour nous d'aller dans ce sens-là. Est-ce qu'il y aura encore l'année prochaine des supporters de l'Entente? Effectivement, l'année suivante, la deuxième place du championnat nous permet de jouer le tour préliminaire de l'Euroleague avec un premier tour contre Charleroi, un deuxième tour contre Trévise, avec une surprise et la victoire de l'équipe à Trévise. Donc on joue un match retour en se disant qu'on est tout proche d'avoir l'opportunité de jouer la vraie Euroleague, la vraie compétition. Ben, j'en ai des frissons quand j'entends ça parce que je me dis que de chemin parcouru, c'est vraiment... C'était quelque chose quasi impossible à faire. C'est-à-dire que l'équipe monte en 2006, fait sa première saison en 2006-2007 dans l'élite. Et en 2009, il y a une qualification pour l'Euroleague. Tout va très 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 vite. C'est quelque chose quasiment d'impensable quand on connaît un petit peu les exigences qui sont liées à cette participation à l'Euroleague. Donc une très grande fierté. Le soir de la qualif au Zénith contre Benetton, c'est un moment d'extase, mais vraiment d'extase. Je me souviens que on avait quand même très très peur que Benetton nous fasse subir une défaite très importante. On a perdu que de 2 points, je crois, là, sur ce match-là. Et au moment où le coup de sifflet final est arrivé, là c'est... C'est des moments magiques, mais vraiment magiques. C'est tout le monde qui était en liesse, c'est le public orléanais qui était en liesse, c'était tous les gens du club qui on avait l'impression de rêver ce soir-là. Donc c'est mon plus beau souvenir de président que j'ai pu avoir jusqu'à maintenant, c'est ça. C'est le plus beau souvenir. De mémoire, c'est Adrien, je crois, qui nous sort des paniers. Voilà, mais on avait poussé la Benetton à défendre en zone parce que sur le main, ils n'arrivaient pas à nous tenir. Et puis, voilà. On avait été rejoint par le stress de la qualification, on va dire, avant de la délivrance, parce qu'au final, on perd de 2 points, je crois, un truc comme ça. Et il y a la qualification, quoi. Le sentiment, c'est de la satisfaction de se dire qu'on va pouvoir faire l'Euroleague. C'est juste cette satisfaction-là. De se dire qu'on va avoir la chance d'aller sur le terrain, de rencontrer des grosses équipes. Voilà, c'est le sentiment qu'on... Tout du moins celui que j'ai. Et un dixième. Maric qui va prendre le shoot.
Oh, il a failli le mettre. C'est gagné. Il a failli le mettre. La première victoire d'Orléans en Euroleague. 75-72 au Palais des Sports d'Orléans. Laurent, un mot. C'est un super cadeau de Noël pour les fans d'Orléans qui ont bravé le froid ce soir. Ouais, même pour nous, parce que ça faisait quelques matchs, on n'était pas loin. Et c'est vrai que là, on est tombé contre une grosse équipe du Partizan. Et bah, ça se voit que l'équipe va beaucoup mieux depuis quelques semaines. On l'a encore montré là ce soir. Et c'est vrai que bon, on ne va pas terminer capot cette année en Euroleague. Donc c'est très bien, on est content d'avoir gagné. Bravo, c'était vraiment un bon match, bravo. Enfin, le match qui m'a le plus marqué dans la période, c'est l'avenue de l'Olympiakos au Zénith d'Orléans. Parce que l'Olympiakos, ça représentait vraiment le Gotha du basket européen. Et je crois que le fait de voir arriver des joueurs tels que Kleiza ou d'autres joueurs grecs très très connus, ça m'a vraiment marqué. Et oui, on était rentré dans la cour des grands. On réussit à les perturber un petit peu sur la première mi-temps avec un Linas Kleiza qui n'arrive pas à s'exprimer et qui en deuxième mi-temps nous montre que c'est un joueur d'un autre niveau et il fait basculer la rencontre sur les passes de Papa Lucas et l'impact de Short Canidis. Ouais, je pense que ce match-là me reste en mémoire. Et il y a toujours moyen dans les matchs à un point de trouver plein de petits trucs, de lancers francs, des tirs ouverts, des rebonds, mais à chaud comme ça c'est difficile. Ouais, il fallait être très très fort, donc il y avait peut-être moyen d'être encore plus précis, certainement pour faire gérer tout ça. Bon, on n'est pas loin, ce sera pour demain. Ça restera de la frustration parce que bon, même si on n'est pas favori du fait qu'on joue Villeurbanne à Villeurbanne, mais si on fait abstraction du contexte de jouer à Villeurbanne contre Villeurbanne, on était à ce moment-là de la saison, je pense, l'équipe vraiment la plus forte et on le montre sur le terrain, pas simplement en finale, mais même avant. On assume ce statut-là. Et... Bon. Après, il se passe ce qui se passe. Il reste quand même de la frustration. Parce que ça, je pense que c'est une finale perdue qu'on devait gagner. C'était de la frustration des finales précédentes. Alors, il y en a toujours quand on la perd, un peu moins si on est outsider, un peu plus quand on est favori. Mais bon, qui plus est, il y avait eu des finales de jouets perdues. Donc là, à un moment donné, il faut gagner, quel que soit le statut, j'ai envie de dire. Et celle-là, il fallait qu'on la prenne, parce que sinon, il y aurait une forme de psychose par rapport aux finales.
la fin de ce match-là, c'était odieux pour moi. C'était odieux parce que j'étais complètement tétanisé par ce trophée qu'on était en train de gagner, qu'on allait peut-être gagner, mais on n'était pas sûr. Et je revois encore Banks récupérer le ballon et faire le panier libérateur. Mais jusqu'à ce panier-là, j'étais recroquevillé sur moi. J'étais dans les tribunes, incapable pratiquement de regarder le match. On avait vraiment peur. Enfin, moi, j'avais vraiment peur que ça nous passe encore à côté et qu'on soit maudit. Ça a été l'instant libérateur. Très très important parce que c'est le premier trophée finalement dans l'élite française, c'est un engouement rarement vu sur Orléans avec une participation des gens vraiment exceptionnelle. Donc oui, c'est un grand moment, c'est le premier trophée offert au club dans l'élite française. Puis la Coupe de France, ça a une forme de résonance un peu particulière aux yeux des gens, donc vraiment un grand moment encore une fois. Beaucoup de pression et on a su complètement assumer ça, mais je pense qu'on apprend aussi bien évidemment des saisons passées, des finales perdues, parce qu'elles nous ont apporté de l'expérience. Et puis cette année, je pense que vraiment dans nos têtes, on était préparé à aller faire en sorte de gagner des finales. C'était parfait depuis le temps qu'on attendait cette coupe à Orléans, elle est arrivée, voilà. Moi je me souviens à un moment donné, Laurent m'avait dit mais président, de toute façon je suis toujours parti avec un trophée dans les équipes où j'étais. Et donc, effectivement, il est parti avec un trophée. Voilà. Il nous a fait un beau cadeau. Puis à un moment donné, il faut que les projets ils finissent quand même par se concrétiser en termes de résultats, même si ce n'est pas le plus important. À un moment donné, il faut remplir l'armoire avec des médailles ou des coupes ou je ne sais quoi. Mais, donc voilà, donc ça vient valider toutes ces années de travail, de montée en puissance du club, ce titre-là. On était obligé de tourner la page du groupe précédent parce que bien évidemment 5-10 à domicile, l'équipe n'avait pas plu à son public à juste titre. Donc là il fallait changer. Donc on a changé et on a eu la volonté d'essayer de construire un groupe avec des garçons qui se connaissaient bien. Bon, ça cette volonté on peut l'avoir, ça ne se traduit pas toujours. Et puis finalement, Johan, Marco, Georgie... On a joué un peu là-dessus, sur les premiers renseignements qu'on avait, a priori ils sont tous très bien. Moi je ne les connaissais pas trop. Je les ai découverts après au quotidien, alors avec à la fois leur qualité et leur défaut, mais c'est vrai que c'était
C'était particulier, un groupe très particulier, mais ça a été une expérience hyper enrichissante parce qu'il a fallu énormément pour nous, staff, s'adapter au profil de ce groupe-là, mais c'est notre métier de nous adapter. Donc ça a été hyper enrichissant, toujours facile, mais pour autant, on gardera quand même en mémoire ce que je disais toujours. Autant c'est difficile d'aller dans l'exigence individuelle avec ce groupe-là parce que ils ont toujours l'impression qu'on les agresse à titre individuel. Par contre, dans l'exigence collective, ils ont toujours répondu hyper présent. Donc, non seulement c'était des guerriers, mais qui ont accepté de jouer pour le bien du collectif et qui expliquent que peut-être qu'on était à la fin de la saison parce qu'il a fallu quand même se mettre en place. Hein. Ça nécessitait quand même un petit peu de recadrage de temps en temps parce que c'était quand même particulier. Mais on est vraiment monté en puissance. Tous, aussi bien les joueurs que le staff, et on se sentait vraiment très très fort. Et faut quand même se rappeler que Chalon cette année-là est imbattable puisqu'il joue toutes les finales. 5 secondes. Blake Shield. À 1 minute 25 de la fin. Et il gagne de 2 points. C'est hallucinant. Non, ce qui était écrit dans nos pensées, c'est qu'on serait champion de France. Voilà l'ambition qu'on avait. C'était une très belle saison. Mais je m'étais programmé pour plus. Je voulais le titre de champion de France avec ce groupe-là. Parce que ça aurait été vraiment pour moi une très très belle performance de tout le monde, du club, des joueurs et du staff. Et voilà, donc là, certainement la plus difficile défaite pour moi à Dijon. C'est une énorme frustration, c'est les joueurs à la fin qui comprenaient pas ce qui arrivait. Enfin, tout le monde était sans voix, sans capacité de réagir. Et puis en quelques minutes, quelques secondes, notre saison se terminait alors qu'on était capable d'aller beaucoup plus haut, d'aller jusqu'au bout. On était tous, on le savait, on le sentait tous qu'on était capable d'être champion de France cette saison-là. Donc ça c'est une frustration, mais elle est d'autant plus forte qu'elle n'était pas liée à des erreurs dues à notre équipe. Et donc ça c'est... Donc je pense qu'il faut qu'on soit champion de France pour effacer cette frustration et un jour on le sera, donc on arrivera à l'effacer. Et ce que j'espère c'est que ce soit le plus rapidement possible.
black and egg white. Pull me out from inside.